Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, constipation. Oui, constipation. Parce que j'observais que nous sommes nombreux et nombreuses à souffrir de ce mot, qu'il y a de nombreuses astuces. Et bien, aujourd'hui, je vais vous en proposer un nouveau. Ça va agir sur tous les organes internes avec leur compression. Donc au niveau constipation, c'est génial. Ça va en plus vous permettre d'augmenter la musculature de l'abdomen. Ça va également vous permettre d'avoir une meilleure immunité puisque vous travaillez le chi, vous travaillez donc votre énergie. Donc on est parti pour l'exercice respiratoire. Premièrement, il faut que les genoux soient légèrement fléchis. Ensuite, il faut que vous soyez assis sur vos ischions. Ce sont les deux petits os donc, qui se trouvent là où j'ai mis mes mains. Il faut être conscient dans cette fermeture du périnée. Donc, il faut vraiment que les muscles du périnée soient resserrés. La cage thoracique ouverte. Et vous vous positionnez avec le menton légèrement redressé donc vers la poitrine. On dépose les mains sur le tantien et on va faire ce qu'on appelle la respiration taoïste ou respiration inversée. Pendant toute la respiration, que ce soit inspire, expire, voire même temps de rétention, c'est uniquement par les narines. Donc on inspire, on rentre le ventre. On expire, on relâche le ventre. Mais le périnée reste toujours, toujours soutenu. Inspire, expire. Donc inspire, toujours par les narines, je rentre. Et expire, je relâche. Je vous invite vraiment à faire quotidiennement cet exercice de respiration inversée.